La Biroute, si vous venez visiter Amina, il faut la visiter. Donc, c'est un ancien puits des Kairouans qui est auréolé d'une légende. Alors, la légende donc dit que elle serait, selon une ancienne croyance populaire, reliée, car elle communique en profondeur au puits sacré de la Mecque, Bir Zemzem, creusé en l'an 180 de l'Égérie, correspondant à 790 après Jésus-Christ, par le gouverneur abbasside de l'Afrique, qui s'appelle Artama ibn El-Ayoun. Le puits est abrité par un édifice dont l'actuelle reconstruction est ordonnée par le gouverneur maroudite Mohamed Bey en 1609. En fait, donc, c'est un puits où on récupère l'eau de la nappe phréatique à l'époque des Kairouans. À l'époque ancienne, quoi. Et donc, il y avait un peu partout à Kérouan, parce que c'est une région qui est aride. Et donc, les habitants faisaient tourner ce chameau, ils récupéraient l'eau et ils pouvaient aussi boire. Il y a une fontaine en bas du bâtiment, il y a un robinet, on pouvait récupérer l'eau aussi, quoi. Donc, ça, c'est une tradition des Kérouans, ce petit puits d'eau, quoi. Et donc, les gens, ils viennent ici pour faire des photos, quoi. زعل زعل